Allez, on va se refaire une petite session de Dolmenia. C'est ça, Dolmenia. Voilà, comme vous. Lui, par exemple, c'était vers. Oula, bonjour madame. Le gars là, c'était vers Gingétorix. Et allez savoir pourquoi il ressemble à Prince of Persia. Bon, comme je le disais, on va retourner sur Dolmenia Chronique Gold Wars. Voilà, parce que la dernière fois c'était déjà je l'avais fait à 5h du matin après avoir joué toute la soirée à Red Dead. Compétences. Cher aventurier, avant augmenter le nombre de diamants, offert via carte mensuelle. Oui, ben non. Non, t'as pas besoin d'argent. Son argent, tu l'auras peut-être pas tout de suite. Peut-être pas du tout d'ailleurs. Reine, guilde. Ouais, non, la dernière fois, c'était vraiment une partie que j'avais fait à 5h du matin après avoir joué à Red Dead. Et puis, c'était surtout les modes tutoriels. Là, on va peut-être pouvoir débloquer de nouveaux héros, comme par exemple. Voilà, comme par exemple le Napoléon Bodybuilder, ou là le Nostradamus en mode héroïne aborigène sexy, quoi. Voilà, et puis de toute façon, dites-vous bien que ce sont tous des recalés de Fire Emblem. Est-ce qu'on peut en invoquer? Ouvrir. Ah, on a droit à une merde. Non. Comment je retourne mon rien? Vas-y, tu t'en plains. Ok. Confirmé. Confirmé. Monnaie insuffisante, nécessaire, standard. Allez vous faire foutre. Retour. Mais comment je retourne en arrière? Confirmé. Voilà. Je sais pas pourquoi c'était bloqué. Bon, tant pis. Kate. Collecter. Bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça se débloque au niveau 12. Bon, et bien je propose qu'on va de là jusqu'à la prochaine tour, ça me semble bien. On va donc gagner ce gars sans charisme. Fait glisser un personnage pour modifier sa formation. Ouais, mais. D'accord, il tient. Toute façon, notre perso, c'est le moins cool, mais. Je sens les forces de la nature qui nous viennent en aide. Enfin, c'est du loot, hein, calme-toi. Cet arc.
En fait, c'est bien que c'est un jeu français, mais bon, le gameplay, il a rien d'original pour un jeu mobile. Ça qui serait sympa, c'est que vu les dégâts des persos, je pense à ça tout de suite. Ils auraient pu faire une espèce de Fire Emblem. Une mécanique un peu à la Fire Emblem, quoi, ça aurait été plus intéressant en fait. On a perdu Monsieur Dynamite. Et la dame blanche, c'est un hécaton, ma parole. Je crois que les personnages deviennent quelque peu costauds. Ah mais je reprends. Je viens de me souvenir que la Dame Blanche c'est une healeuse. Et bon comme ils m'ont explosé dans un coup. Sert ces gouttes, ces petites gouttelettes là. Miroir, potion, argent et tout le bordel. Ok, ce truc là, voyons ça. La nuit. La nuit tombe. Il ne sert à rien de continuer. Arrêtons-nous ici et nous repartirons à l'aube. Ici, comme ça, même le seul, mais comme fou de ma gueule. Et je rappelle que le personnage qu'on incarne est une grosse parigote. Dumbledore. Bah voyons, tu voudrais pas un lit avec des draps et un oreiller aussi? C'est surtout que je peux pas dormir dans le noir. Je vais avoir à dormir avec toi qui brille à côté, fantôme de mes deux. Alors toi, t'es pas certaine que tu te réveilles un jour, grosse connasse. Il approchant, préparez-vous. Et puis comme ça, j'aurais pu vous entendre, monde de conne. Aïe. 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 C'est des mousquetaires, les gars, là, c'est quoi? Faut la soigner, hein, qui tient un peu... Qui tient un peu plus de... Pas chouette. Ok, faut que j'attaque celui devant au bicard de la main, apparemment. Ah, mais il lit ou. Mais normal, il a une Bible dans les mains. Enfin, non, c'est pas normal du tout, mais.
Ok, bah toi tu vas te prendre une bonne explosion dans ta gueule. Ça t'a rien fait. Voilà. Ah, il y a le même requin et un type devant qui se... Il y a Zelda qui se met. En tout cas, il va partir vite. Enfin, on dirait Zelda, non, on dirait Link. Calmez tout de suite les puristes en commentaire. Aïe. Coupe-le. Ah, heal. Vas-y, heal. Nous devrions être tranquilles pour un moment. Dormons maintenant, et comme prévu, partons à l'aube. J'ai bien peur que la bête du Gévaudan ne soit sur le chemin. Aussi, la Dame Blanche, cela vous dérange-t-il de prendre la carte cette nuit? La garde, on la garde cette nuit. La carte, pourquoi j'ai... J'ai lu la carte. C'est à force de jouer à Red Dead. Ah bah, j'ai pas lu son dialogue, tant pis. De toute façon, c'est tellement pas puissant. Réveille-nous si tu entends le moindre bruit. Bien sûr, j'essaierai. Juste de ne pas oublier cette grosse connasse là. Faudrait que je change son nom d'ailleurs. C'est ça, retour, bonne idée. Retour. Carte. D'abord, je peux pas modifier ça là. Alors, je peux modifier mon truc. Ah, c'est pas non. Non, bah, je suis obligé de la carte collecter. Retour, perso. C'est une demande équipée. Dans ce monde, il n'existe que trois types d'armes. Le combo épée-bouclier, les arcs et ivres magiques sont l'arme qui détermine la classe et le changement d'arme. D'accord, c'est pour changer de classe. Changer d'arme afin d'essayer de diversifier classe, savoir ce que tu es, blablabla. Équipé. L'arc ça peut être bien, on n'a pas dans l'équipe. On n'a pas de fringues. Ok. Ah, et du coup, j'ai trouvé comment on va l'appeler. Voilà. Paris Got. Voilà, Paris Got. Parigo, mais bah, tant pis pour Parigo. On modifie. Voilà. Et là, c'est très bien. On reprend la quête. En avant! Non, en fait, ils sont assez bien boostés, quand on regarde le temps. Oula, le serpent, il a une tête à la Disney, il vaut mieux s'en méfier. Bon, bah toi, salut. On va passer. Attendez. Oh, oubliez que je suis à l'heure. Faudrait que...
faudrait que j'ai un vrai héros, parce que le type random en première ligne. Faudra que je heal le prochain tour, bordel. Au prochain tour, bordel de merde. Après, c'est pas grave si on perd monsieur Dynamite, hein, ils sont plus que deux. Ok, voyons un peu si je peux pas... héros, ça c'est les nôtres. Voilà, si je... Voilà, on va lui donner un peu de force à ce garçon. Renforcer. Utilise épée du réalisme sur ton ennemi. Du réalisme... Du réellement. C'est des trucs. Ah, il y a plein de trucs encore. Allez, renforce-moi ça. Génial, il est niveau 5. Pratiquement. Ça, je mets ici. Invoque. Je peux pas faire une petite invoque histoire de. On continue donc la quête parce que hein, cool. Ouais, c'est parfait comme ça. Alors, et puis là, ça va mieux pour lui. Hein. Pas une victoire parfaite hein, du coup mais... et on enchaîne direct. Ah, Arthurette, bon dragon, est dans la place. Bon, à toi, adieu. Vas-y, nous faire. Aïe. Ah, ils veulent avoir Monsieur Dynamite. J'ai l'impression qu'elle est costaud là. La Arthurette. Ah, il... Bon, pourvu qu'elle peut healer, elle est blanche même. Alors, bon, bah, espérons que ça se tue. Elle va bien jouer. Je
peux pas les faire monter de niveau, les autres cons là. Bien. Voilà. Et... Bah, il te manquerait un petit truc, toi. C'est pas grave. Bon, ça y est, j'ai un peu compris le système de renforcement, là. Non, ça commence à rentrer tout ça. 15 trucs, 15, c'est parti. J'ai un mauvais pressentiment. C'est la force qui vous le dit ou bien... Ah non, c'est pas Igot là. C'est la force qui vous le dit ou bien encore le vent. Ouais. Je le sens aussi. Une aura maléfique s'approche. Et moi, je sens que je vais rentrer chez moi. Diviesco, la pierre divine comprend aussi un ticket de retour. Hélas, non, elle ne vous autorisera à rentrer que lorsque votre tâche sera accomplie. Génial. Tout simplement génial, tu vois. Attention! Oh, les armes, merde. Aïe. Allez, on est d'accord. Et voilà. Un temps encore. Il y en a d'autres. C'est bon, t'es un peu. Encore. C'est bon. Bien joué. Adieu. Ah, juste au moment d'huile, bordel. Cette plante genre capricieuse. Ah, quand même. Pas un échec complet. Il semblerait que le mal s'empare aussi des baies des êtres de cette époque. Faut sortir de cette forêt au plus vite. Attends-nous vers Lutèce. Il me tarde de voir à quoi ressemblerait. Ah non, c'est... Bah oui, c'est Parigot, pardon. Il me tarde de voir à quoi ressemblait Paris à cette époque. Dommage que j'ai pas mon appareil photo, histoire de faire un petit peu de tourisme. C'était ironique, ça, ou bien... Bah, en fait, je sais plus. Un cax de chevalier. Les pales servant à déterrer des trésors. Les pales. Oui, les pales. Magnifique, mon pote. Ah bon? Oh. Oh, un casque.
Ah, c'est pour le verso, c'est pour le héros. Bah ouais, c'est déjà plus cool, hein. Ah, voilà qui vous va déjà mieux. Ah, voilà qui vous va déjà mieux. Continuons. J'ai pas gagné un cax de chevalier, ou alors c'était pas pour elle. Ah, il lui manque toujours un truc pour se renforcer à ce qu'on a. Alors. Ah ouais, de toute façon tout ça va être bloqué. Et on s'en bat les couilles. Allez. Allez. On s'active. Oh, c'est lourd, une bonne tête. Mais on perd de l'auto. Là. Non, de quoi ça va. C'est cool, hein. Mais c'est pas si différent des parties d'habitude au final, hein. C'est fou. C'est bon, il va pas crever, après. Et ben, le travail. Allez, on y va directement. On va peut-être enlever le tour parce que c'est chiant quand même. Tiens le coup encore un peu, crétin. Marrant quand c'est moi, c'est pas croix, c'est pas 3 étoiles. Hein. Il a eu la patronne. Putain. Oui, alors là, ça a été les catombes de chez les catombes. Hein. Bon, ils sont tous au niveau 6. Ça. Retour, j'ai gagné des trucs. Quoi. Kate. Tâche du jour. Voici quelques tâches à accomplir tous les jours. Terminez-les pour obtenir quelques récompenses. Et c'est pas ce personnage qu'elle a voilà. Je suis fatigué. Bien de niveau, génial. Tâche du jour. Héros, tiens. Elle, qu'est-ce qu'elle a ? Talent plus plus votre travail. Utiliser ses compétences facilitera maintenant les combats. Cool. C'est pas le cas des autres cons. Voilà, je vais quand même les monter un peu tout cela. Ils en ont bien besoin. Perso, non, perso, lui je peux pas, lui, elle quoi, je peux pas, non. Ok, donc pas d'invoque, ça m'étonnerait. Alors on est prêt. Oula, ils ont
J'espère que c'est la bête du Gévaudan qu'on s'amuse un peu. J'ai rien pour renforcer. Voilà. Peut-être encore un petit coup. Allez. À la dame blanche aussi. Voilà. Tous 400. Ça. Vous allez arrêter de faire de la merde. Voilà. Donc on les invoque. La quête. Et on y va. Dites-moi, Deviesco. Je me trompe peut-être, mais... Vous ne combattez jamais avec nous contre toutes ces bêtes, non? Vous seriez pas une sorte de péteux? Je ne fais que vous observer. Ok, vous ne l'auriez pas remarqué, c'est justement ce que je reproche. Je voulais juste observer vos capacités. Et vous vous débrouillez très bien. Ah, voilà l'orée de la forêt. Vous êtes doué pour changer de sujet. Au contraire. J'ai une chose à vous proposer avant que nous n'entrions à Lutèce. Vous deux, combattez-moi. Considérez cela comme votre dernier entraînement. Vous êtes sérieux? Voyez ceci comme un combat amical. De nombreux combats nous attendons. Et je veux m'assurer que vous êtes au niveau de ces coups. N'était rien en comparaison. Ce que j'imagine, ce que j'admire chez vous, Deviesco, c'est que vous savez trouver les mots pour ne pas rassurer les gens. Trêve de bavardage, en garde! Oh, je pensais qu'on verrait au moins la bête du Gévaudan, moi. Ok, donc ils nous envoient les mêmes monstres, apparemment. C'est un poil suspect, non? Qu'on leur a monté les armes, c'est con. Voilà. On est bien. C'est de la merde. C'était mieux. Je crois que c'est parce que le feu doit mieux marcher contre la plante. Logiquement, quoi. Voilà. Voilà Deviesco. Attaque de foudre de groupe, possède des invocations. Faiblesse. Contre les dégâts de feu. Faible contre les dégâts de feu, ok.
Allez, on va s'filer un petit coup. Oula, il a pas l'air de rigoler avec des viscos. Dégâts de feu, ça marche pas. Okay. Tout va bien. Maintenant, à nouveau départ. Non, oh, adieu les blanches. On va l'avoir, on va l'avoir. Tout va bien. On l'a. Ouf, j'avais pas envie de recommencer. C'est pas mal. C'était Viasco quand même. Je suis fier de vous. J'ai cru que t'allais passer l'arme à gauche. Je suis pas si faible, regardez. Vous avez presque pété la gueule à vous tous, faut pas me chercher. La plaie se referme comme ça d'elle-même. Elle est guérie en mode Wolverine, ce gars-là. Je suis druide, ne l'oubliez pas. La nature me confère mes pouvoirs. Ça m'aurait été bien pratique le jour où je suis morte. Ah oui, c'est vrai, c'est la dame blanche. Allons-y maintenant. Et rentrons dans l'utesse. Je suis à présent certain que notre monde a de l'espoir. C'est la carte de France. Hein. Chapitre 2. On est donc au chapitre 2. Ah, et ben on se le fera la prochaine fois. On se le fera la prochaine fois parce que je vais essayer de faire pas trop des vidéos trop longues de ce jeu-là, quoi.